Le monde digital est-il sexiste? Je dirais oui et non. Oui, parce que quand on regarde les fonctions tech, il y a encore trop peu de femmes et il y a encore un grand chemin à parcourir pour plus d'égalité. Donc en ce sens-là, je trouve qu'il est sexiste. Et non, dans la mesure où le digital est une formidable opportunité pour les femmes, l'opportunité d'entreprendre, où qu'elles soient, sur n'importe quel secteur, parce que le digital, ça permet l'innovation, la création, c'est aussi la liberté d'entreprendre. Sur des sujets très variés, sous des formes aussi très variées. Ça peut être du e-commerce, ça peut être un blog, ça peut être des tas de formes d'expression. Donc en ce sens-là, c'est une formidable opportunité pour les femmes et qui peut aider à plus de parité. J'ai toujours été très éprise de justice. Je voulais être juge quand j'étais enfant, donc ça a toujours été la justice ont toujours été des valeurs très fortes pour moi. Donc l'égalité, c'est évidemment plus de justice. Et puis dans mon parcours professionnel, j'ai eu la chance, l'opportunité de travailler pour des entreprises qui portaient ces valeurs-là sur la diversité en général, hein, c'est-à-dire l'égalité homme-femme, mais aussi sur le handicap, sur la race ou des choses comme ça. Et j'ai trouvé très, très enrichissant, très intéressant de me battre ou porter des valeurs sur l'égalité des chances et des compétences dans le monde du travail. Donc c'est un petit peu la conjonction des deux qui fait que je me suis de plus en plus engagée sur ce thème-là. Il est important de donner l'exemple et de montrer aux jeunes filles, aux enfants aussi, aux fillettes et aux garçons aussi, hein, c'est pas du tout un discours qui est uniquement pour certaines cibles, que les hommes et les femmes sont égaux, qu'ils peuvent avoir accès aux mêmes postes et que c'est une question de choix et non pas une question de stéréotypes et d'être rangé dans une case en fonction de son genre.